Donc nous allons aborder maintenant la dernière présentation de cette session. Bonjour à tous, je vais faire une présentation donc sur la rhinopneumonie et plus précisément sur une étude phylogénétique que l'on a réalisée sur une dizaine d'années. Donc je suis en deuxième année de thèse au Labo Franck d'Incombe. Le projet est soutenu par l'Union européenne, la région Normandie, les fonds EPRON et l'IFCE. Et on travaille également en étroite collaboration avec le réseau d'épidémiosurveillance en pathologie équine, donc le RESP. Donc, qu'est-ce que la rhinopneumonie ? La rhinopneumonie, c'est le terme que l'on utilise pour désigner différentes formes de maladies qui sont causées par deux virus, l'herpès virus équin 1 et l'herpès virus équin 4. Donc, c'est des virus qui appartiennent à la grande famille des herpès viridés, et plus précisément aux alpha-herpès virinés. J'aime bien utiliser l'exemple de la varicelle, donc, parce que ça, en général, ça nous parle. Donc, les personnes qui ont contracté la varicelle dans leur vie sont susceptibles par la suite de contracter ce qu'on appelle un zona. Et en fait, c'est une réactivation du virus. Et les herpès virus équins, notamment de type 1 et de type 4, ont cette même particularité d'établir une latence, c'est-à-dire après avoir infecté une première fois l'équidé, vont pouvoir être réactivés par la suite suite à un stress ou un changement d'environnement ou une faiblesse immunitaire. Il y a plusieurs manifestations de la maladie pour ces deux virus, et dans tous les cas, il y a de fortes conséquences sanitaires et économiques sur la filière équine. Donc, je vais d'abord vous parler de l'herpès virus équin de type 1 et des différentes formes de maladies que l'on peut rencontrer. Donc, le premier site d'infection de l'herpès virus équin de type 1, ça va être au niveau du tractus respiratoire. Donc, on va alors observer un syndrome respiratoire qui se traduit par un jetage nasal de la toux et de la fièvre. Une fois que le virus a infecté la muqueuse du tractus respiratoire, il va pouvoir être disséminé dans l'organisme et parfois atteindre d'autres sites comme l'utérus. Dans ce cas, il va provoquer un avortement ou bien la mort du poulain à la naissance. Le virus peut également atteindre le système nerveux. Et dans ce cas, on va observer dans certains cas une myéloencéphalopathie qui se traduit par des troubles locomoteurs, une paralysie, des troubles neurologiques ou de la fièvre. En 2006, donc une équipe anglaise a mis en évidence une mutation génétique qui serait associée à la neuropathogénicité. Ce qu'il faut retenir, c'est que la forme A, c'est la forme sauvage, donc c'est la forme qui est le moins souvent associée à des syndromes neurologiques, et la forme neuropathogène, la forme G, c'est la forme qui est la plus souvent associée à des épisodes neurologiques. La raison pour laquelle je dis le plus souvent et le moins souvent, c'est que ce n'est pas exclusif. Il y a certains cas de forme A qui vont engendrer des syndromes neurologiques et certains cas de forme G qui ne vont pas en engendrer. Donc ce qui est important à retenir, c'est plutôt la tendance forme A non neuropathogène et la forme G neuropathogène. Concernant la vaccination, la vaccination la plus courante concerne l'herpès virus équin de type 1 et l'herpès virus équin de type 4. Elle permet de diminuer l'intensité des signes cliniques pour la forme respiratoire et la forme abortive, mais l'efficacité contre la forme neurologique n'a pas été évaluée à ce jour. Je vais vous parler maintenant de l'herpès virus équin de type 4, avec les différentes formes de maladies. Donc, le site d'infection primaire est le même, c'est au niveau du tractus respiratoire. Donc, c'est la forme la plus fréquemment rencontrée. Donc, on observe en général un jetage nasal, de la toux et de la fièvre. Le virus peut également se disséminer dans l'organisme, mais il va atteindre de manière plus générale l'utérus. Ça reste des formes très rares. Et dans ce cas, on observe, comme pour le HV1, des avortements. Donc on observe, on n'a pas de cas de myéloencéphalopathie liée à le HV4 reporté. Concernant la vaccination, elle permet également de diminuer l'intensité des signes cliniques pour les deux formes. Quels sont les moyens de lutte pour la rhinopneumonie ? Lorsqu'il y a un foyer infectieux, les premières mesures à prendre sont des mesures sanitaires, en confinant les animaux infectés, en essayant d'éviter les déplacements, notamment lors de concours, et en mettant en place une surveillance accrue avec des visites vétérinaires plus fréquentes et des dépistages de chevaux ayant potentiellement été en contact avec des chevaux malades. Le diagnostic a également une grande place dans les moyens de lutte. Le test le plus pertinent en cas de foyer infectieux va être la détection PCR, qui est l'amplification d'une zone spécifique de l'ADN du virus qui permet de mettre en évidence sa présence ou son absence. Et en parallèle, et ça c'est pas uniquement en cas de foyer infectieux, des études scientifiques permettant de mieux connaître le virus permettent par la suite de mieux appréhender les crises. La sérologie est également intéressante puisqu'elle permet de suivre le statut immunitaire du cheval
au cours de programmes de vaccination, mais également suite à un épisode infectieux. Cette vaccination, il est nécessaire qu'elle soit rigoureuse, puisque comme vous l'a expliqué Romain Paillot, elle permet une meilleure protection à l'échelle de la population. Donc quand on parle de couverture vaccinale. Je vais vous parler maintenant de la crise rhinopneumonique qui est survenue en 2018. La raison pour laquelle on a parlé de crise, c'est qu'on avait un nombre de cas reportés en 2018 qui était très largement supérieur aux années précédentes. Donc sur la droite, vous avez une carte que le RESP nous a gentiment réalisée, qui répertorie les cas reportés donc au RESP entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. Donc on peut faire plusieurs observations. Donc sur cette période, on avait un nombre supérieur à 40 foyers déclarés. Donc ça ne prend pas en compte tous les foyers qui n'étaient pas déclarés. On peut voir que donc, la majorité des foyers étaient répartis donc, sur la partie ouest du pays qui correspond à la concentration des élevages en France. On peut voir que toutes les formes ont été observées, abortives, respiratoires et neurologiques, sachant qu'il y a eu des cas d'euthanasie lors de syndrome nerveux. Donc, quelles sont les causes possibles ? Une des suspicions suite à cette crise a été liée à la vaccination, puisqu'en 2016, il y a eu une rupture de stock de vaccins en France qui a nécessité l'achat des vaccins auprès de fournisseurs étrangers. Et il est possible que suite à cette complication, la vaccination ait été un petit peu moins rigoureuse. Donc ça, c'était une supposition. Une question qui s'est posée lors de cette crise concernait les souches qui circulaient sur le terrain en se demandant s'il y avait une souche émergente plus virulente qui pourrait être à l'origine de cette crise. Donc pour répondre à cette question, il était nécessaire de réaliser des études moléculaires pour mieux connaître les souches qui circulaient sur le terrain et ça, dans le but également de mieux appréhender les épisodes virologiques à venir. Donc nous avons donc réalisé cette étude moléculaire. Dans un premier temps, tout à l'heure, je vous ai parlé de la mutation A et de la mutation G. Donc la première chose qui a été faite sur les prélèvements positifs reçus au laboratoire Franck Dincombe, ça a été de faire un typage A ou G pour toutes nos souches. Il s'avère en fait que cette mutation, elle est sur une région de l'ADN viral qui est très conservée et qui est primordiale pour la persistance du virus. Du fait qu'elle soit primordiale, il ne faut pas en fait qu'elle mute à tout va, parce que sinon le virus a moins de chances de persister. En revanche, il faut quand même que ce soit une région qui permette au virus de s'adapter à son environnement. Donc ça en fait un très bon marqueur de l'évolution du virus. Donc on a utilisé cette région pour séquencer 16 souches qui étaient réparties entre 2010 et 2018. Et parmi ces 7 souches, il y en avait 6 qui ont été isolées en 2018. Donc on a fait un séquençage de cette région dans le but ensuite de comparer toutes ces séquences et de réaliser une phylogénie, pour appréhender l'évolution et la répartition des souches au cours du temps. Je vais d'abord vous faire le bilan de notre typage AG que l'on a réalisé sur toutes les souches 2018. Donc on peut voir que pour les prélèvements respiratoires, on avait 11 souches de type A, donc sauvage, et 6 souches de type G. Pour les prélèvement d'avortement, on avait essentiellement des souches de type A avec une seule souche de type G. Et parmi les prélèvements neurologiques, on avait autant de souches de type A que de souches de type G. Il y a également des souches pour lesquelles on n'avait pas l'information s'il s'agissait d'un foyer respiratoire, avortement, neurologique. Donc, parmi ces souches, on avait 2 souches A et 5 souches G. Donc déjà, la première information qu'on peut avoir, c'est qu'en 2018, il y avait au moins 2 types de souches puisqu'on a les souches A et souches G. Il n'y avait pas une seule souche. Ensuite, concernant notre étude phylogénétique, l'arbre n'est pas très visible, mais c'est plutôt la vision d'ensemble qui nous intéresse. Donc, les souches qui sont soulignées en rouge, ce sont nos souches à nous 2018. On a inclus dans cet arbre des souches qui ont été publiées en Angleterre dans le but de savoir où se situaient nos souches donc de 2010 à 2018 par rapport aux autres souches publiées à l'étranger. Donc, on peut voir que nos souches de 2018 elles sont réparties dans tout l'arbre. Il n'y a pas un cluster de souches. Donc, a priori, on a des souches différentes qui ont circulé en 2018 qui ont un profil génétique différent. Alors, il y a une info que vous ne pouvez pas voir dans l'arbre parce qu'il est un petit peu petit, mais je vous l'atteste. Les souches entre 2010 et 2018 provenaient de sites différents, ont été récoltées à des dates différentes. Il n'y a pas non plus de cluster en fonction de la date à laquelle elles ont été récoltées ou le lieu. Donc, il y a une répartition qui est indépendante du temps et de la localisation. Donc ça, c'est les premières informations qu'on a retirées de cette étude phylogénétique. Ce qu'il faut retenir, c'est donc que la crise 2018 n'est pas liée à l'apparition d'une nouvelle souche d'herpès virus équin de type 1 qui serait plus virulente. Donc il y a plusieurs souches qui semblent circuler en France depuis une dizaine d'années
Ça, ça s'explique notamment par le fait que l'herpès virus équin est un virus qui a une évolution lente, mais également de par sa latence dont je vous ai parlé au tout début. Les mesures préventives restent les mêmes, quelle que soit la souche, qu'elle soit neuro ou sauvage. Ça implique une vigilance lors de déplacements, une bonne vaccination et une très bonne communication entre les éleveurs, les vétérinaires et les équipes de recherche, puisque tous ont des informations complémentaires qui permettent au mieux d'appréhender chaque crise. Je vous remercie pour votre attention. Noriane Martin, donc élève ingénieur agro. Sur le terrain, on entend certains vétérinaires nous dire que ça ne sert à rien de vacciner, surtout pour les formes, pour les juments gestantes, parce que le vaccin ne marche pas au niveau de l'avortement. Alors, a priori, ça va plutôt être Romain Payou qui va être expert en vaccination, mais j'aurais tendance à dire que, comme je le disais, pour les syndromes respiratoires et abortifs, ça va quand même diminuer au moins l'intensité des signes cliniques. Donc ça a au moins cet intérêt-là. Après, de toute façon, tu me corrigeras si je me trompe, mais je crois que la vaccination ne permettra pas d'empêcher l'infection et la manifestation de SIC, ça va plutôt réduire les signes et leur intensité. Alors, je vais peut-être compléter les propos de Gabriel. En fin de compte, pour la rhinopneumonie, c'est vraiment une différence entre ce qu'on peut attendre au niveau individuel et au niveau de la population. Vous êtes beaucoup trop jeune, mais en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu l'introduction de la vaccination contre la rhinopneumonie, et je pense que c'était dans les années 80, ce qui a été vu sur le terrain, le retour sur le terrain, c'est qu'on a eu une disparition de ce qui était observé avant, c'est-à-dire ce qu'on appelait les vagues d'avortement. Il y avait eu de très belles études faites aux États-Unis, dans le Kentucky, où des élevages, ils perdaient 10, 15, 20, 30, voire plus de poulains par an liés à ce virus. C'est-à-dire qu'une fois le virus rentré sur l'élevage, presque toutes les juments en gestation perdaient leurs poulains. Depuis l'introduction de la vaccination, et puis sûrement également le changement des modifications de la gestion sanitaire, on a eu une réduction de ce qu'on appelle ces vagues d'avortement. Alors c'est vrai qu'effectivement, il y a encore des cas d'avortement au niveau individuel, même des juments vaccinés qui vont hélas perdre leur poulain. Mais il y a quand même, en général, quand on parle aux collègues au niveau mondial, une réduction de ces fréquences, de ces gros cas. Donc c'est vrai que c'est un peu la difficulté avec la vaccination rhinopneumonie, parce qu'au niveau individuel, il y a toujours des petites limitations. Mais il est clair, quand on parle avec les anciens, qu'il y a eu un effet. Avez-vous des études aussi sur les circulations des souches de type 2 et 5 ? Alors, mon projet ne porte pas du tout sur ces herpès virus qui sont différents des herpès virus équin de type 1 et de type 4. Donc, je ne saurais pas répondre à cette question. Ok. Alors, ce qui se passe, c'est très bien comme étudiante en thèse, parce qu'elle me met sur le spot. Non, en fin de compte, c'est vrai que EHV1-4, c'est quand même très endémique, surtout EHV4, ça circule beaucoup. Maintenant, quand on passe sur les gamma EHV2 et 5, la situation est encore pire, c'est-à-dire qu'on considère probablement que presque tous les chevaux vont être infectés à un moment ou l'autre par ces virus et vont excréter de manière transitoire. Assez régulièrement, ça se fait sans signe clinique, donc on pense, en gros, ce qu'on pense effectivement, si vous prenez tout cheval que vous prenez, si vous le mettez sous des conditions bien particulières de stress, il y a forte chance qu'à un moment ou à un autre, vous allez avoir une réactivation de ces deux pathogènes. Donc, ils sont quand même importants parce qu'ils peuvent être décrits, qu'ils peuvent avoir des effets immunosuppresseurs, immunorégulateurs, donc ils peuvent jouer avec d'autres pathogènes. Et puis également, dans certains cas, ils peuvent induire des formes cliniques. Je ne les ai pas toutes en tête, mais on peut avoir un peu de conjonctivite et ce genre de choses. Donc il est quand même important de les dépister. Mais au niveau de la population, ils sont probablement vraiment en circulation très importante. Oui, Benoît Chagne du Sudbox, c'est le français. Est-ce que vous avez une estimation du pourcentage de la population qui est vaccinée contre la rhinopneumonie ? Non, je n'ai pas. Je sais que la couverture vaccinale n'est pas bonne. J'ai pas les chiffres. Alors, on va parler avant crise et après crise. Avant crise, c'était pas bien haut, probablement 30-40%, quelque chose comme ça. Après crise,
Alors, ce n'est pas après crise. On va dire qu'avant le shortage, la pénurie de vaccins en 2016 en était probablement 30-40%. Il y a eu la pénurie, la difficulté d'avoir du vaccin, ces vaccins étrangers qui étaient un peu plus chers, certains avec un peu de réaction inflammatoire. Et quand en 2018, il y a eu cette crise et que le RESP principalement, et puis les laboratoires, et puis également un certain nombre d'experts ont essayé d'avoir la fréquence, on estime qu'on est probablement, au début de la crise, on était à quelque chose comme 25-30. C'est les données retour RESP sur les taux de vaccination, mais également les discussions avec les industriels pharmaceutiques vétérinaires en leur demandant combien de doses vous avez vendues, il y a tant de doses, tant de chevaux, ok, on va dire c'est à peu près ça, et puis également le retour terrain. Donc c'est déjà pas très haut, et ce qu'on pense, puisque c'est pas une question de souche, c'est qu'avec la pénurie et peut-être un peu une désillusion sur la vaccination rhino suite à la pénurie en 2007, il y a peut-être une petite diminution de la vaccination, et déjà qu'on n'était pas très haut, on est peut-être passé à un seuil assez bas pour qu'en fin de compte on se retrouve une situation, le virus décide, bon, c'est bon, j'y vais. Et du coup, la préconisation du seuil qu'il faudra atteindre, bon, bien sûr 100%, mais est-ce qu'il serait raisonnable? Ben, après, c'est tout ce qu'on peut. Alors, là, comme j'ai dit plus tôt, la difficulté, c'est l'efficacité du vaccin qui est efficace, mais qui a des limitations. On était à 30-40% avant 2018. Bon, ce n'était pas une situation très, très bonne. Il y avait toujours de la rhinopneumonie, mais on n'était pas comme en 2018 avec des gros cas. Donc, je pense que. Enfin, je ne vais pas vous donner de chiffres, mais si ça peut remonter, plus on remonte, plus ça sera efficace. Mais après, ouais, c'est. Il y a eu l'obligation de vaccination. Oui. Donc, si on regarde un peu cette année, alors il doit y avoir Claire du RESP dans la salle, quelque part. Elle est là. Mais si je ne me trompe pas, on n'est pas en une situation cette année comme l'année dernière. Et donc, il y a eu probablement, parce que suite à la crise l'année dernière, il y a quand même eu une vaccination plus importante. Hein. C'est clair que les industriels ont bien nous rapporté qu'ils avaient vendu beaucoup plus de vaccins. Et cette année, vu qu'on voit en 2019, en gros, l'image de la vaccination 2018, on est dans une situation qui est un peu plus conforme à ce que l'on voyait en 2017. Donc clairement, le taux a probablement remonté, suite également aux recommandations et aux obligations. Et donc une crise un petit peu moins importante. Céline Mespoulès, école vétérinaire d'Alfort et AVEF. Justement, je rebondis sur cette discussion, c'était ma question également. Donc maintenant, c'est obligatoire au niveau des courses. Quelles seraient pour vous les préconisations du point de vue des chevaux de sport, puisqu'il y a quand même également le problème des rassemblements. Donc si on fait un parallèle avec la grippe, du point de vue de la stratégie vaccinale. Moi, je vais vous donner une réponse d'immunologiste, d'accord, en sachant que naturellement, quand on parle vaccination et ce genre de choses, il y a énormément de complications et de difficultés qui peuvent intervenir. Pour moi, avec les maladies infectieuses, dès qu'il y a un rassemblement, dès qu'on a plus de deux chevaux ensemble, on augmente le risque de transmission et de partage. Donc, dans la mesure où on a un vaccin disponible, on a un outil de prévention. Et donc, pour moi, en tant qu'immunologiste, s'il y a un rassemblement, ça serait mieux que les chevaux qui se rencontrent soient vaccinés. Après, il y a toutes les questions qui viennent autour de la facilité, comment on peut mettre en œuvre ce genre de choses. Mais d'un point de vue purement infectieux, on a la chance d'avoir un vaccin contre ce pathogène. Il peut être amélioré, mais on a la chance d'avoir un vaccin contre ce pathogène. Donc, ce serait bien de l'utiliser. Quand on voit d'autres pathogènes comme la gourme, la rhodococcose, il n'y a pas de vaccin. On a quand même des situations un peu qui peuvent être compliquées. Et puis, il faut voir, on a des collègues de l'ANSES dans la salle, des maladies très, très sérieuses comme, on va dire, la peste équine, qu'on n'a heureusement pas dans le continent européen, mais si elle venait, il n'y a pas de vaccin disponible, on serait vraiment dans des situations critiques. Donc, on a un vaccin disponible, autant l'utiliser. C'était juste pour compléter la question de monsieur. C'était effectivement que selon les filières, il y a des taux de vaccination différents. Galopeur, trotteur, on est à 100%. Chevaux de sel, quand on a fait les analyses l'an dernier lors des concours et qu'on avait mis en place sur les poneys de club, par exemple, ou les petits poneys de concours, on était à peine 10% de chevaux vaccinés contre la rhino. Donc ça a monté sans doute un petit peu cette année, mais c'était un taux de vaccination très, très, très faible. Oui, pour moi, la plus grosse difficulté, au final, c'est pas l'intérêt intellectuel de faire de la vaccination rhino, puisqu'effectivement, on est bien d'accord, plus je vaccine, moins je vais avoir d'animaux malades.
Par contre, moi j'ai un vrai souci en travaillant avec notamment des chevaux de course, c'est les chevaux positifs, mes petits porteurs sains, qu'on m'a fait dépister à foison, sur lesquels je suis tombée, et j'en fais quoi, ceux-là ? Alors, je veux dire, l'avantage avec l'herpès, ce n'est pas la gourme. C'est que, comme l'a dit Gabriel, tout cheval, on peut même estimer que tout cheval, à un moment ou à un autre, va être infecté par un vieux herpès, le 1 ou le 4, et donc pratiquement, probablement, dans la majorité des cas, il va y avoir l'établissement d'une latence. C'est-à-dire que tout cheval, à un certain âge, a probablement le virus, alors c'est soit au niveau des cellules lymphocytaires, soit au niveau du ganglion rétropharyngé, trijumeaux. Et donc, avec les bonnes conditions, stress, tout cheval probablement peut réactiver ce virus. Ça ne veut pas dire qu'un cheval qui réactive le virus est forcément contagieux, parce qu'il y a quand même une question de dose pour la transmission. Pour moi, donc, dommage, on n'a pas notre collègue Stéphane Pronos qui est virologiste, mais comment dire, c'est un état de fait des virus herpès. C'est-à-dire, comme nous, dans la salle, on est probablement tous porteurs de virus herpès de manière latente. On ne va pas tous nous euthanasier parce qu'on a un virus herpès latent. Donc, peut-être on aura plus de réponses dans le futur parce qu'on ne connaît pas encore forcément exactement les conditions qui vont réactiver ce type de virus. On sait par exemple que le transport, le stress lié au transport peut réactiver ce type de virus ou certains traitements, je crois là, dexaméthasone, ce genre de choses. Mais dans l'ensemble, on ne connaît pas tous les facteurs de stress qui peuvent le faire. Donc c'est vrai que dans le futur, si on arrive à avoir une meilleure idée, on peut éventuellement avoir une meilleure prévention en disant attention, on a des conditions qui peuvent réactiver. La vaccination par rapport à ça, alors les vaccins ne sont pas capables. C'est la notion de latence. C'est-à-dire en phase de latence, le virus n'est pas visible par le système immunitaire. Donc, même si vous vaccinez qu'il y a une réponse immunitaire, la réponse immunitaire ne va pas pouvoir trouver le virus et l'éliminer. Par contre, un cheval vacciné qui va avoir des anticorps et une réponse immunitaire, s'il se met à réactiver le virus, là, le virus va potentiellement être neutralisé. Avant d'être excrété. Donc si vous voulez, si vous avez un cheval vacciné qui n'a jamais vu le virus, il est en contact, la réponse immunitaire le protège du virus qui rentre. Dans un cheval latent qui le réactive s'il est vacciné, il y a une partie du virus qui est réactivée, qui peut être transmise, qui va être neutralisée. Donc pour moi, en tant qu'immunologiste, la vaccination a probablement un effet sur une diminution de la charge d'excrétion. Est-ce qu'il faut les vacciner plus souvent? Je dirais que vu le taux de vaccination actuel, pour les porteurs, non, s'ils sont, je pense, on a aucune idée là-dessus, faut les vacciner au minimum. Oui. Excusez-moi. Du coup, effectivement, vous faites, on dédramatise le fait d'avoir des porteurs sains, oui. Mais le problème, c'est qu'au niveau des réglementations et des autorités. On a quand même une limite si on a des écouvillons qui reviennent positifs. Alors, c'est là toute la difficulté avec l'herpès, parce que le porteur sain, on va dire pour moi, c'est le cheval qui a été infecté, qui a le virus latent. Donc il peut potentiellement réactiver et transmettre. Maintenant, si vous avez un cheval où l'écouvillon est positif, il est porteur, mais on est plus dans la phase où c'est un cheval contagieux. Donc là, c'est plus les mesures sanitaires. Je comprends que c'est un problème, mais du coup, vas-y Loïc, help. La question en fait, alors Loïc Legrand, la BO. La question en fait est de se dire si lorsqu'on a une PCR positive. Est-ce que mon cheval est contagieux ou pas? Et bien la réponse est, malheureusement, on ne sait pas trop. Voilà. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dire absolument, non, il ne l'est pas. Et ce, même s'il n'a pas de signe clinique. Évidemment que ça va amoindrir les risques de contagion, ça c'est une certitude, puisqu'en fait, plus il y a des signes cliniques, plus il y a une contagion. En revanche, s'il y a vraiment des contacts naso à naso, si on ne change pas on parlera très certainement tout cela tout à l'heure dans les gestions en général, mais si on ne fait pas de bonnes pratiques sur le terrain, il peut y avoir une contagion. Voilà, je pense que c'est arrivé à plusieurs personnes ici d'avoir des fois de l'EHV4 qui tourne, pourtant de ne pas avoir un seul signe clinique. Et pourtant, en général, il y a de grandes chances pour que ce soit
un petit virus qui circule à ce moment-là. Voilà. On va devoir clore cette session, mais on va pouvoir, comme le disait Loïc, répondre à toutes les autres questions dans la table ronde à 16h.